Des heures de travail et de répétition pour ces jeunes de la section musiques actuelles du Conservatoire de La Rochelle. Ils sont tous issus du classique, mais désormais, c'est avec leur guitare électrique, leur clavier ou leur batterie qu'ils se produisent sur scène. J'ai commencé en classique, je suis arrivée l'année dernière. Et en milieu classique, je faisais de la chorale au début et en fait j'en avais marre. Du coup, on m'a proposé la musique actuelle et je suis rentrée l'année dernière en tant que chanteuse. Vu que j'ai envie d'en faire mon métier plus tard, c'est vrai que le conservatoire, ça aide du coup. Du rock et du jazz, là où on ne les attend pas. Pour jouer les musiques qu'ils écoutent, ces jeunes ont choisi le conservatoire et sa rigueur. C'est un plaisir déjà dans l'apprentissage, d'apprendre énormément de choses, mais surtout prendre du plaisir sur scène, tout le monde ensemble. Voilà. Cette section a vu le jour en 2014 et forme une quarantaine d'élèves par an, avec un mot d'ordre, jouer collectif. Ok, la même ? Ouais, nickel. Couplet refrain ? Prendre conscience des autres, de soi, de sa place dans le groupe. Et j'ai envie de dire, alors c'est peut-être un petit peu bisounours, mais du plaisir aussi. Du plaisir, mais aussi beaucoup d'enjeux. Certains veulent faire de la musique leur métier. S'ils veulent choisir un cursus professionnalisant en troisième cycle, ils vont passer un diplôme d'études musicales. Par la suite, c'est eux qui choisissent s'ils veulent continuer et passer un diplôme d'État pour l'enseignement. Ou alors, ils peuvent aussi s'orienter vers l'intermittence. Depuis son ouverture, une dizaine d'élèves de la section musiques actuelles a déjà fait carrière. Seul prérequis pour intégrer cette spécialité, avoir déjà pratiqué un instrument quelques années.